de bénévoles. Jésus. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit les troupeaux. Mais le têtu que j'étais avidé. Aucune de la dissuasion m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi, contemple mes sacrifices au sommet de mon ivresse. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAUX se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. Alors on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon cœur est vide, c'est mon cercle familial pour eux briller avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia. Mon histoire, mon combat, mon parcours, tout ça, c'est pour pouvoir vous faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que les larmes de mes poids pour m'épouser mes pleurs. Toujours de poids chanter que le fusil de la terreur, c'est comme ça qu'on est. Je le décharge quand je chante dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais. Offrez-moi vos sourires plus que des fleurs. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Quand j'ai écrit cette chanson, je ne parlais pas que de mon parcours. Je parle du parcours de tellement de gens. Une fille comme Jeanne qui s'est battue pour essayer de continuer à grimper, d'autres dans le quotidien pour essayer d'élever ses enfants, d'autres pour essayer de changer le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Nous sommes le jour de la femme. Je tenais à préciser aux hommes que ce n'est pas la Saint-Valentin. C'est un combat pour les droits des femmes, pour toute la discrimination. C'est quelque chose d'important. Beaucoup de personnes se sont battues dans le passé pour ça, pour qu'on ait cette liberté de penser, de parler, de vivre, de choisir. Et ces personnes-là, à chaque fois quand je pense à ces grandes personnalités qui m'ont inspiré ou qui peut-être vous ont inspiré, je me dis que j'aurais aimé voyager à travers le temps.